Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Rouler et Découvrir. Nous sommes le lundi 4 septembre 2023. J'ai vécu une journée toute particulière entre Savone et San Remo sur les traces de la célèbre course cycliste Milan-San Remo. J'ai pu grimper toutes les montées mythiques de cette course, mais tout a une fin. Il faut que je rentre chez moi dans la banlieue lyonnaise. Je poursuis donc ma route le long de la côte méditerranéenne pour rejoindre Grasse. Soutenez-moi en vous abonnant et n'oubliez pas d'activer la cloche. Allez, vous devez avoir une belle vue de, je suppose, le vieux Menton. Une vue du port Plaisance de Menton. J'emprunte la route, mais vraiment en bordure de mer. En train d'arriver au casino de Menton. Tout le long, il y a des établissements. Je suis sur la route de la moyenne corniche et dans 4 km je suis à Aize. Ah, regardez, elle est juste en face. Du Col d'Aize. Souvent lors de Paris-Nice, les coureurs montent dans l'autre sens. Comme vous devez le comprendre, je suis sur la promenade des Anglais à Nice. Il y a encore pas mal de monde. Ça pourrait être le lundi 4 septembre. Il y a encore des vacanciers. Je suis arrivé à Saint-Laurent-du-Var. Là, je pense que vous avez vu le yacht. Il y a Cagnes. Et là, je tombe sur le casino. Il y a salle de spectacle, salle de cinéma, restaurant, des jets d'eau. Voilà. En fait, là, je viens de passer la colle sur Loup et je vais en direction de Vence. Le célèbre restaurant à la Horka en montant à Vence. Église de Saint-Paul de Vence. J'arrive à Saint-Paul de Vence. Là, il y a beaucoup d'arbres, hein. Beaucoup de conifères là, de la région, hein. Des pins, des beaux arbres.
suis à Saint-Paul-de-Vence. Je confonds moi, Vence, Saint-Paul-de-Vence, c'est tout pareil pour moi. Et tout à l'heure, j'ai dû me tromper. En fait, nous sommes à Saint-Paul-de-Vence là. Dans la montée, il y avait un petit village sur la droite. C'est Saint-Paul-de-Vence et là, je vais aller à Vence. Belle propriété à la sortie de Saint-Paul-de-Vence. Là, je sors de Saint-Paul-de-Vence. Je suis à 1 ou 2 km après Saint-Paul-de-Vence. Et je monte sur Vence. On a vraiment l'impression d'être sur une route de montagne. Regardez à gauche les falaises, à droite des châtaigniers, des oliviers. Regardez, j'arrive à Vence. J'ai le panneau indicateur là. Et le village, il est au-dessus. Je vais pouvoir vous montrer cette merveille. Voilà, avance. On va aller faire un petit tour en droite déjà. À gauche, le restaurant de chez Luigi Pizzeria. Je vais faire un petit tour du centre-ville. On est dans la cité historique de Vence. Je suis toujours à Vence. Je visite. Là, c'est assez sympa. Je suis vraiment devant. Un centre historique, mais vraiment un centre. La tourette sur Loup est une ancienne cité médiévale. Donc regardez, dès qu'elle est un peu à gauche, on voit la cité là. J'ai fait le tour de la cité, ça vous donnera une idée.
magnifiques arbres de Florence. Si près de Florence. Chouette de propriété. Regardez, on voit bien les prants rocheux là. C'est quand même sympa, hein. Ça donne envie de rouler dans le coin là. Ah, il y a vraiment une ambiance particulière là. Hein. Il fait chaud, les cigales chantent. Il y a les arbres là, des grands pins. Il y a les rochers sur la droite. On est vraiment dans le midi. Hein. Là, je suis entre Tourette-sur-Loup et Grasse. On est en plein dans les Préalpes là. Je suis sur la route des Gorges. Je suis sur la route entre Tourette-sur-Loup et Bar-sur-Loup. C'est vraiment magnifique. Aujourd'hui il fait chaud. J'accumule la fatigue, ça devient dur. Regardez, je vais vous montrer le village de Bar-sur-Loup. Je retourne la caméra. Vous voyez là-haut. À la sortie de Bar-sur-Loup, je vais en direction de Grasse. Je sais pas s'il faut que je passe à Grasse. C'est toujours aussi beau. Regardez, je continue là. Je suis pas encore arrivé à Châteauneuf. Et il me semble qu'il y a une belle vue là sur la gauche. Ah, le problème c'est qu'il y a plein de voitures qui arrivent. Belle vue entre Bar-sur-Loup et Châteauneuf. Je vais en direction de Grasse par Magnaniosque. Regardez, il doit y avoir une belle vue là encore. Ah bah ça y est, je suis à Grasse en fait. Je pensais que c'était beaucoup plus loin, mais c'est là. Je suis à Grasse là. Je crois que je vais tourner à droite pour aller sur Digne, Saint-Vallier. Saint-Vallier, prendre la route Napoléon. Dans une prochaine vidéo, vous pourrez découvrir avec moi la route Napoléon entre Grasse et Sisteron. Soutenez-moi en vous abonnant et n'oubliez pas d'activer la cloche.